j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur le site Boti B. Donc pour moi, c'est une première, hein. Vous allez dire, mais Louise, tu sors de ta grotte ou quoi? T'as jamais commandé sur le site Boti B? Bah non, franchement, j'avais jamais commandé dessus. Je connaissais le site. Plusieurs fois, je suis allée dessus et tout, regarder. Et il y avait des choses qui m'intéressaient, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais commandé dessus. Et là, en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de grandes youtubeuses qui en avaient parlé, comme quoi pour le Black Friday, donc ils faisaient pas mal de promos à moins 30, moins 40 et certaines marques à moins 50%. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas tester maintenant? Et puis bah on verra bien ce que ça donne. Donc franchement, j'ai reçu le colu, le colu, le colu, le colis super vite. Je crois que c'était 4-5 jours à peu près. J'ai pas eu de frais de douane. Les frais de port étaient compris dedans parce que je crois que c'est à partir de 25 euros d'achat, vous avez les frais de port offerts. J'ai pas commandé tout ce qui est palette de make-up parce que j'en ai déjà pas mal et que. Bah, je sais pas pourquoi j'en ai pas commandé, mais comme j'en ai déjà beaucoup, bah voilà, peut-être une prochaine fois. Mais là, j'ai commandé du soin, des produits pour les cheveux parce que j'adore les produits pour les cheveux et une poudre, un fond de teint. Donc, je vous mettrai les prix sur la vidéo. J'ai eu à peu près tout à moins de 30%. Puis il y avait un code promo. Je sais plus de quel youtubeur j'ai vu. Je crois que c'était Sananas ou la loge de Gabriel. Enfin, je sais plus du tout. Donc, du coup, il y avait moins 5% en plus pendant 48 heures. Donc, j'en ai eu pour un total de pas loin de 70 balles quand même. Mais ça valait le coup. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit. Il y avait à peu près moins 30% sur tous les produits. Donc, le premier produit que j'ai pris, donc c'est de leur marque à eux. Je ne connaissais pas. C'est une crème. Pour les peaux normales mixtes. Alors j'ai regardé un peu sur le site parce que bien sûr tout est marqué en anglais et moi l'anglais bah on n'est pas copains parce que je sais pas le parler, le lire encore moins. Donc bon voilà. Donc c'est un soin hydratant léger. Donc c'est pour convient aux peaux normales, grasses et mixtes. Donc ça c'est bien. C'est vegan, non testé sur les animaux. Et puis c'est une crème qui est hydratante. Alors je ne vais pas vous dire la description, mais elle est enrichie en ginseng indien pour protéger contre la lumière émise par les écrans et en squalane, extrait d'huile d'olive qui aide à hydrater la peau. Voilà. Donc ça c'est cool. J'ai vu qu'on pouvait l'utiliser de jour comme de nuit. C'est marqué, voilà, appliqué sur les visages, le contour des yeux. Pour une peau nettoyée après avoir appliqué le sérum, s'applique le matin et soir et convient à un usage quotidien. Donc ça franchement c'est top et c'est cruelty free et vegan, donc tout est marqué derrière. Et franchement j'ai halluciné. Bon, hop, on va le casser direct. C'est la contenance quoi. Il y a 125 ml. Donc ça c'est franchement top, je suis très contente et j'ai vraiment hâte de le tester. En ce moment, parce que là je suis sur le site, elle passe à moins 40%. Donc de base elle est à 7,75 et avec moins 40% elle est à 4,65. Moi j'ai dû la payer 5 euros et quelques. Donc là franchement ça vaut le coup. Ensuite donc toujours de la marque Boti B, c'est Skin Heal. Donc là c'est une huile pour le visage. Donc pareil, elle est cruelty free vegan. Donc en gros, ils nous disent que c'est une huile nourrissante de la gamme Skincare by Boti B. Donc ça, c'est leur marque à eux en fait. Cette huile visage nourrissante pénètre dans la peau, contribue à déstresser et à apaiser le teint. Enrichie à l'huile de grain de chanvre, une huile issue de graines de cannabis sativia, qui est enrichie en acide gras pour calmer les peaux stressées. Sa teneur en huile et antioxydants puissants contribue à protéger la peau contre les signes du vieillissement. À utiliser seule ou à mélanger en soins hydratants. Donc, tapoter délicatement une à deux gouttes directement sur la peau ou après l'application d'un soin hydratant. Donc ça, c'est pareil. Vous avez 50 ml. Et à la base, elle est à 9 euros. Et là, en ce moment, il y a toujours moins 40%. Donc, elle passe à 5,40 €. Et moi, j'ai dû la payer 6 euros et quelques. Toujours de la marque Boti B. Donc, vous avez 50 ml. À la base, il est à 6,50 €. Donc là, il y a maintenant, il y a moins 40%. Il est à 3,85 €. Je crois que j'ai dû le payer 4 euros et quelques. Mais lui, par contre, il est en rupture de stock. Donc, c'est un sérum hydratant. Ce super sérum pénètre dans l'épiderme en quelques secondes pour favoriser une hydratation durable et améliore la santé de la peau. Donc, toujours vegan, non testé. Sur les animaux, convient à tout type de peau. Et utilisation, appliquer délicatement une ou deux gouttes directement sur la peau, s'applique le matin et le soir, convient à un usage quotidien. Donc franchement, ça c'est top, c'est une petite routine qui a l'air pas mal, donc j'ai hâte de tester. Cette poudre, ça fait vraiment, sans mentir, 1 ou 2 ans que j'ai envie de la tester, mais
Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais commandé sur site. Franchement, je me pose la question. Pourtant, il y a vraiment des produits pas mal. On trouve pas mal de marques. Des fois, c'est même moins cher que chez Sephora. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas passé le cap. Je sais pas. Là-haut, il y a dû avoir un dysfonctionnement. Mais bon, enfin bref. J'ai pris la poudre RCMA. Donc, c'est une poudre comme ça. À la base de 14 euros, je crois que je l'ai payé 9 euros et quelques. Vous avez quand même 85 grammes. Donc là, il y en a pour quand même un moment. Si on compare, je crois que les poudres à peu près sur Sephora, tu dois avoir 10, allez, 15 grammes, je crois. Et encore 15 grammes, je crois que je suis bien gentille. Et elles sont à 30, voire 40 balles, voire celles qui sont plus luxueuses, beaucoup plus chères. Donc voilà, bah, c'est une poudre translucide. Hein, pour le mettre sur le visage. Donc, elle est cruelty free et vegan et sans parabènes. Donc, voilà, ça c'est top. J'ai vraiment hâte de tester. Et franchement, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc, on verra ça. Je finis ma poudre que j'ai là. Et puis, je pense que je la testerai après. C'est un. Vous savez, avec les petits points dedans. Donc, ça, j'ai hâte de tester. Et 85 grammes, 14 euros. Franchement, ça, c'est un bon plan. Je vais regarder si elle est toujours dispo sur le site. Oui, elle est toujours dispo sur le site. À la base, elle est à 14 euros. Et là, il y avait moins 30%. Il y a toujours moins 30%. Donc, je l'ai payé 9,80 euros. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Parce que 85 grammes, je vais comparer par rapport à Sephora. Donc, bon, bah, désolé, je suis beaucoup sur mon téléphone. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le noter. Parce qu'en fait, je l'ai reçu hier. J'ai eu plein de trucs à faire. Et il fallait que je tourne aujourd'hui. Donc, c'est pareil, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a les enfants. Donc, on va prendre une poudre. Ben moi, celle que je prends d'habitude, c'est la Fenty. Donc, on va comparer. Elle est mauvaise. Parce que la Fenty, elle a 28 grammes. Donc, c'est la celle-ci là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Normalement, oui. Bon, là, elle est en promo sur le site. Parce qu'en ce moment, il y a moins 20% sur la marque Fenty. Mais sinon, de base, elle est à 31 euros. Et vous avez 28 grammes. Et celle-ci, elle est à 14 euros. Et vous avez 85 grammes. Je me suis embrouillée dans le truc. Je recommence. Elle a 85 grammes pour 14 euros. Donc franchement, c'est un bon rapport qui a été pris. Après, à tester, à voir si elle est aussi bien que tout le monde en parle. Si vous l'avez testée, cette poudre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai vraiment hâte de la tester, de savoir. Ensuite, j'ai pris un produit The Ordinary. Donc ça, je l'ai jamais trouvé sur Sephora. Pourtant, j'aime beaucoup la marque The Ordinary parce que c'est une marque qui est vraiment à petit prix. Et vous avez des soins pour le visage et tout ça qui sont top. Franchement, moi, j'ai déjà acheté plusieurs fois des soins, que ce soit les sérums, le contour des yeux et tout ça. Vraiment à un petit prix et c'est une excellente marque. Et là, vous aviez le fond de teint. Donc, vous aviez ou le sérum ou le coverage foundation. Donc, bah, au début, je pensais avoir pris le sérum, mais en fait, je me suis gourée. J'ai pris le foundation coverage, donc le fond de teint, eau de couvrance. Alors que je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Enfin, depuis cet été, les fonds de teint trop couvrants, je ne supporte plus. Donc, bah, j'espère que ça va le faire quand même et qu'il n'est pas trop trop couvrant quand même. J'espère que c'est modulable, ça serait cool. Mais je crois que j'avais vu une vidéo où la personne elle disait que c'était pas forcément un fond de teint hyper hyper couvrant. Donc, on verra. Je l'ai payé 7,50 €. Il y a quand même 30 ml. Donc, pareil, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'un fond de teint 30 ml à 7,50 €, ben. Ça me parle pas, enfin il n'y en a pas, même sur Sephora ou quoi. Donc j'ai hâte de tester parce que la marque The Ordinary, c'est vraiment une très bonne marque. Moi j'ai eu aucun problème et j'aime beaucoup leurs produits. Donc j'ai hâte de tester. J'espère que j'ai pris la bonne couleur. J'ai pris la N.1N, donc c'est fer neutral. Normalement c'est ce que je mets dans les autres fonds de teint, donc on verra. Et bien sûr, je vous dirai ce que j'en pense ou on le testera peut-être ensemble. Ensuite, j'ai pris trois produits pour les cheveux de la marque Shea Moisture. Donc, je ne connaissais pas du tout. J'ai pris un shampoing et deux soins. Donc, ça, c'est un shampoing hydratant et repair. Vous avez 384 ml. Donc, franchement, c'est un beau contenant. J'ai regardé sur le site, bien sûr, les descriptions étaient en anglais. Donc, du coup, bah, ce que j'ai fait la traduction. Donc, c'est un shampoing nettoyant en douceur. Nettoyant en douceur tout en infusant les cheveux avec une hydratation intensive. Le shampoing hydratant réparateur au miel et au yaourt de Manuka. Regorge de protéines reconstructrices et de nutriments améliorant la brillance. Travaillant pour restaurer les cheveux, meilleur état. Le shampoing est formulé avec du beurre de karité certifié biologique, du miel de Manuka ultra hydratant et du yaourt dans la formule réparatrice pour hydrater, améliorer la douceur et la texture de la maniabilité.
Donc sans cruauté, sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, fabriqué avec du beurre de karité équitable. Franchement, sur le descriptif, ça a l'air vraiment top. Donc ça, moi, j'ai hâte de tester parce que bah, moi, comme vous savez, je peux décolorer blond, blanc, qui sont quand même, bah, ils ont quand même morflé. Donc moi, il me faut des shampoings hydratants. Donc ça, j'ai hâte de tester. Et à la base, donc, écoutez, parce qu'il est en rupture de stock. Je crois que les trois produits sont en rupture de stock. Donc je suis désolée, mais c'est pareil, si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À la base, c'était 12 euros. Donc pour un shampoing à 384 ml, si au final il est vraiment bien, ça vaut le coup. Et avec moins 30%, je l'ai payé 8,40 €. Donc ça, j'ai hâte de tester. Et puis comme Jonathan aussi, il est blond maintenant, parce que je lui ai décoloré les cheveux. Il voulait être blond blanc. Donc c'est ce qu'il est. Donc ça ira aussi pour lui. Ensuite, donc j'ai pris un masque comme ça. Franchement, c'est de la couleur. Bah, j'espère que ça atteint pas les cheveux. Je sais pas, on verra bien. Donc c'est un masque cheveux qui soigne en profondeur, assurant un soin en profondeur pour redonner de la force. Le masque de traitement fortifiant et réparateur à l'huile de ricin, pardon, noire de Jamaïque vise à redonner de la force et la résistance aux cheveux abîmés, cassants qui ont subi des traitements chimiques. Ça, c'est tous mes cheveux. Enfin bon, ils sont pas non plus cassants ou quoi, mais ils sont quand même fortement abîmés. Formulé avec du beurre de karité, de l'amande poivrée et du vinaigre de cidre de pomme, ce masque cheveux favorise la pousse et réduit l'apparition de cheveux cassants ou qui tombent. Non testé sur les animaux, sans parabènes, sans huile minérale. Et l'utilisation, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le tester, c'est qu'ils disent après votre shampoing, appliquez une quantité généreuse du masque fortifiant en partant de la racine et en remontant vers les pointes. Insistez sur les pointes, utilisez un peigne pour bien répartir le produit. Placez en charlotte en plastique sur vos cheveux et essayez ou sur un casque chauffant pendant 10 à 15 minutes. Ou sans source de chaleur, laissez poser le masque 30 minutes, rincez abondamment. Donc moi, je l'essayerai avec du papier. Du papier sulfurisé, Louise. Du papier qu'on met sur les cheveux, j'ai perdu le nom. Du film étirable ou du papier alu. Voilà, hein, des fois, il faut que ça revienne. Donc ça, franchement, j'ai hâte de tester. Et j'en ai pris un autre aussi. Masque, enfin, chaque masque était à 14 euros avec moins 30%, donc 9,80 €. Et celui-là, donc il faut que je le retrouve pareil, c'est en rupture de stock. Et celui-là, donc c'est un masque riche en antioxydants, enrichi d'un complexe aux super fruits riches en vitamines de chiamosture, je ne sais pas du tout comment ça se dit, de pépites végétaux naturelles pour maintenir l'élasticité et la biotine pour les cheveux, soit épais et fort. Le masque en super fruits aide à améliorer et renouveler la vitalité des cheveux cassants et sans éclat. Ce soin hebdomadaire est enrichi en antioxydants et aide à réparer les cheveux abîmés en leur apportant hydratation, nutrition, régénération et forte. Pareil, non testé sur les animaux, sans parabènes, sans huile minérale. Et ça, c'est pareil, donc c'est comme l'autre. Vous pouvez l'appliquer 10 à 15 minutes sous chaleur ou 30 minutes si vous n'avez pas de chaleur. Mais moi, ce que je fais, c'est que des fois, mes masques, c'est surtout le dimanche. En semaine, j'ai un peu moins de temps de les laisser comme ça. Parce que, bah, avec les enfants et tout ça, bah, le dimanche, comme en plus on est toujours confiné, bah, hop, je me lave les cheveux le matin et je mets le masque pendant des fois 2-3 heures. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Je ne sais pas si ça vous dit qu'on les teste ensemble au moins pour avoir un premier avis, voir ce que ça donne. Je pense que c'est ce qu'on fera, ça peut être intéressant. Et puis je les testerai aussi sur Jonathan parce qu'on n'a pas du tout la même... De base, on n'a pas la même qualité de cheveux. Mais comme lui maintenant, il est blond aussi. Donc voilà, voir sur un homme, sur une femme, ce que ça peut donner aussi, ça peut être super sympa. Donc, voilà mes achats sur le site BeautyBay. Donc j'ai reçu dans un joli carton comme ça où il y avait marqué BeautyBay partout. Franchement, j'ai reçu quand même super vite. Le seul truc que je pourrais dire, alors je ne sais pas si c'est une erreur de ma part ou s'ils n'en mettent pas, mais ça aurait été cool, un ou deux petits échantillons. Enfin bon, après, c'est pas très grave. Mais je ne sais pas, un ou deux petits échantillons de leurs produits à eux à tester. Vous savez, une crème de nuit ou une crème pour le corps. Enfin voilà, ça aurait pu être cool. Mais après, sinon, franchement, l'envoi, il a été quand même super rapide. Les produits, pour le prix, je trouve que quand même, c'est très raisonnable. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc, si vous avez déjà commandé sur ce site, qu'est-ce que vous avez acheté. Si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés, quel était votre avis. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et faites attention à vous. Bye!